Moi ? Que le Seigneur soit avec toi. Merci. Que dois-tu dire ? Merci. On dit pour l'éternité. Amen. D'où viens-tu ? De la campagne. Ça se voit. Et où veux-tu aller ? Je cherche Silas. Et qui est-ce ? C'est un ami qui est ici. Il faut que je le trouve. T'as peu de chance. Dans une ville aussi grande. Ça fait rien, je vais essayer. Il est beau, ce cheval. Il est très beau, ce cheval. Arrêtez! C'est la première fois que tu viens à la ville, hein? C'est ton cheval? Oui. Oh, allez, viens avec moi, va. Je les connais, ces garçons. Le dîner est servi. Bravo, je meurs de faim, moi. On peut aller avec lui? Oui, naturellement. Merci. Elisabeth, j'avoue que j'aimerais que notre fils ait des réactions aussi franches, aussi naturelles de temps en temps. Yapitou, c'est parfois assez guindé. Loup ! Je mangerai pas ici. Vous croyez que tu mourrais de faim ? Je mangerai pas ici. Pourquoi ne veux-tu pas rester ici ? Ici, ça me dit rien. D'accord, d'accord. Alors, va donc manger à la cuisine. Yapitou, tu veux l'emmener à la cuisine? Dis-toi bien que nous aurions bien aimé manger avec toi. Je préfère la cuisine. Si tu restes quand même avec nous, hein, t'apprendras à manger, c'est tout. On verra plus tard, si tu permets. La cuisine est par là. Voilà Silas, celui qui nous a sauvé la vie. Je sais, je suis au courant. Bonjour Silas. Il a faim. Oh, tu as faim mon grand. Tu as très faim. Oui, je me rappelle plus la dernière fois quand j'ai mangé. Parfait, je m'appelle Anna et je te promets que tu n'auras plus faim dans 10 minutes. Silas. C'est drôle comme nom. Assieds-toi donc. Bonjour, monte, à tout à l'heure Silas. Fais attention, mon petit Silas, c'est peut-être un peu chaud, méfie-toi et régale-toi. Qu'est-ce que je vais me régaler? Oh là. Ça va? C'est bon? Alors, tu apprends ça? Oui, oui. Il va falloir apprendre notre métier de la vie, hein. Ah, ça oui, j'ai compris. Remarque, hein, ce sont de bons petits corps, pas si méchants que ça. Bah, c'est la vie qui a voulu qu'il soit du mauvais côté de la barrière. C'est tout. Oui, mais quand même. C'est encore loin? Non, par là. C'est leur quartier général. Bon, ils sont tranquilles, parce que personne ne le connaît. Salut, Baldrien. Salut, bonne journée. Merci. Le port.
tu laves tout ça maintenant? Bien entendu. Je t'aide. Et puis quoi encore, alors? Alors, je suis certaine qu'il te reste encore une petite place dans l'estomac pour le dessert. Et une tarte. En tout cas, ça a l'air drôlement bon. C'est bon. Silas, mon père a dit qu'il fallait que tu remontes. Tout à l'heure, il faut d'abord que je fasse la vaisselle. Tu veux pas laver la vaisselle? Je l'ai jamais lavée, moi. Moi non plus. Oui, mais c'est toujours Anna qui s'en occupe dans la maison. Eh ben, je vais l'aider. Mais mon père veut que... Et fais ce que monsieur a dit. Pourquoi? Ben, parce que monsieur l'a dit, c'est tout. C'est lui qui décide dans cette maison. Pas pour moi, je regrette. Je remonterai quand j'aurai fini. Va lui dire. Et dis bien à ton père que ce n'est pas de ma faute s'il ne vient pas tout de suite. Mais monsieur va pas aimer ça. Et alors? Je voudrais faire la vaisselle. Tu veux répéter? Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Je veux faire la vaisselle. Va chercher Silas, Elisabeth. Je ne peux quand même pas aller dans la cuisine. Silas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu absolument faire la vaisselle? Nous aimerions que tu continues de nous raconter ta vie. S'il te plaît, viens. Je viens dès que j'ai terminé de laver ça. Tu n'as aucun savoir-vivre. Je vois pas à quoi ça me servirait. Oh. Chercher un de ses copains. Mon meilleur ami. Il est pauvre, peut-être plus que nous, mais nous pouvons l'aider. Tu pourrais répondre, toi. Alors, comment ça se fait que tu réponds pas? Ou tu apportes quelque chose à manger, ou tu peux pas. Je peux me débrouiller. D'accord, alors prouve-le. Et puis là-dessus, il m'a lancé sa fourche, le Bartelin. Mais il a pas pu me toucher. Enfin, pas beaucoup. Je suis plus rapide que lui. Beaucoup plus rapide. Je peux même pêcher une truite dans un ruisseau les mains nues. Ouais, sans rien. Je sais aussi lancer couteau et jouer de la flûte. Silas, pourquoi est-ce que tu n'habiterais pas là? Pourquoi pas? J'ai jamais habité dans une grande ville. Je peux rester 8 jours. J'ai dû trop manger, je suis désolée. Ça va, tu sais te battre. On fait la paix et on te rend ton cheval. T'inquiète pas, il a rien.
Il vit au rythme de la nature. Il peut s'endormir n'importe où. Il n'a aucun complexe d'homme civilisé. C'est tout à fait remarquable. Faut faire attention à mon cheval. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'en sais rien. Théa ! Les enfants doivent aller dormir, Elisabeth. Appelez Carnéole. Il porte le petit dans la chambre d'amis tout de suite. Je l'appelle, monsieur. Tiens, tu vois, on n'en a pas fait de la chair à pâté. Merci. Bon, allez, il est superbe. Allez, allez, filez. Tu m'as fait une de ses peurs. J'ai cru qu'on ne se verrait plus jamais. Qu'on s'en aille. Ils ont commencé par être très gentils. Ils m'ont donné beaucoup à manger. Et après, ils m'ont enfermé. C'est une honte, non ? Complètement fou ou quoi? Pourquoi tu fermes le portail? Il faut bien, sinon tout le monde peut entrer et sortir. Je veux sortir, moi. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que t'as contre moi? Rien, je peux pas me le permettre. Mais t'aimes pas les chevaux? Non, et c'est ça le bête, même pas non plus. Alors pourquoi tu restes ici? Qu'est-ce que tu peux être bête? Pour qu'Anna me donne à manger, pour avoir des chaussures à Noël. L'année dernière, j'ai eu la droite, cette année, j'ai la gauche. Tu sais, les patrons sont très généreux. Silas! Silas! Silas!
Mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Reviens tout de suite dans la maison. Je veux m'en aller, ils m'ont enfermé dans la chambre. Oh, mais non, c'est sûrement Cardéole qui s'est trompé. Alors viens, je te promets que tout va très bien s'arranger. Tobias, tu veux t'occuper de son cheval au lieu de rester les bras croisés? Eh bien, mon garçon, je vais prendre soin de toi. Il faut toujours manger le matin en se levant. Monsieur Sandal ne veut que ton bien. Comme nous tous ici. Tu sais, la porte n'est pas toujours fermée. Ben, pour moi, elle était fermée, en tout cas. Alors là, je ne comprends pas. À moins que... Tu as plu à tout le monde ici. Et monsieur et madame veulent te garder. Et je dois dire que je suis bien d'accord avec eux. Il n'y a pas assez de place. Dans une maison comme celle-là, il y a beaucoup de place, tu sais. Il y a beaucoup de travail. Je peux travailler, moi. Mais faut pas rester en haillons si tu habites ici. On te donnera des vêtements. C'est pas la même chose du tout. Et puis, peut-être que ça te ferait plaisir de faire partie de la famille. Ah, ces messieurs dames veulent leur petit déjeuner. Théa! C'est moi qui vais porter le plateau. Toi? Ben oui, bien sûr. Je veux savoir qui m'a enfermé cette nuit. Laisse, laisse. Bonjour. Merci. C'est gentil de te rendre utile, mon petit Silas. Tu restes ici? Ben, je sais pas trop. On verra bien. Est-ce que ça te ferait plaisir de déjeuner avec nous? Non, c'est déjà fait. Ah. Eh bien, assieds-toi quand même. Est-ce que tu as bien dormi? C'est drôle, j'ai pas arrêté de rêver cette nuit. T'as de la chance. Un peu de sucre, s'il te plaît. Dis-moi, Silas, pourquoi est-ce que tu te lèves si tôt? J'ai l'habitude de me lever avec le soleil. Est-ce que tu as déjà visité une aussi grande ville que celle-ci? Veux-tu aller te promener avec Iapitus ce matin? Pourquoi pas? C'est intéressant, tu verras. Très intéressant. Mais oui, sûrement. C'est du rhum de la Jamaïque. Il y a du poivre de Cayenne aussi. Ils ont mis 3 mois à apporter ça. Il fait de grosses affaires alors. Monsieur Sandal devrait faire le commerce de machines à vapeur, ça rapporterait plus. Comment tu sais tout ça? Je le sais, c'est tout. Et les lingots d'argent alors? Non, l'argent c'est une mauvaise affaire. De toute façon, t'en as aucune idée. Et puis en plus, t'y connais rien aux chevaux. Bonjour Tobias, nous sortons à cheval. Très bien. Bonjour Silas. Bonjour Iapitus. J'ai l'air affreux. Oh non, pas du tout. T'es même très élégant. Je
fais ce que je peux, mais je t'arrive pas à la cheville. Grand ici, on doit se perdre facilement. Pas si tu sais lire le nom des rues. Justement, je sais pas lire. Alors il faut que tu apprennes. Il n'y a pas de il faut avec moi, il faut rien du tout. D'accord. Mes jeunes seigneurs, la charité pour une pauvre femme. Mon père ne veut pas que je vienne dans ce quartier. Pourquoi, t'es déjà venu? Non. La bouteille. Voilà. Alors, la bouteille. Mon père me l'a formellement interdit. Et là, ça fait 15 ans que je veux dire, vous le dire, c'est suivi comme ça. Allez, La charité. Une petite pièce, quoi.